Le pape François a cherché samedi à consoler le peuple du Soudan du Sud, encourageant les prêtres et les religieuses à servir leurs ouailles en les accompagnant. Après les autorités et la société civile la veille, François a rencontré le personnel de l'église, puis des Sud-Soudanais qui ont été contraints de quitter leur foyer en raison des combats, des inondations et d'autres crises. Frères et sœurs, pour intercéder en faveur de notre peuple, nous sommes aussi appelés à élever la voix contre l'injustice et la prévarication qui écrasent les personnes et utilisent la violence pour mener des affaires à l'ombre des conflits. Dans son discours d'arrivée vendredi, François a évoqué le sort des femmes et a demandé qu'elles soient respectées, protégées et promues. Nous sommes très heureuses de voir le pape ici, qu'il nous rende visite. Nous en sommes très fiers. Je me sens très heureuse, bien sûr, à venue de notre pape au Soudan du Sud, œuvrant pour la paix. Nous sommes très heureux. La famille du Soudan du Sud est très heureuse. Rejoint par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le chef presbytérien de l'église d'Écosse, François cherche à attirer l'attention du monde sur la situation critique du pays.